marine royale. Pouvons-nous parler à votre commandant? Je suis le capitaine Hawkins et je commande cet escadron. Que puis-je pour vous? Nous transportons des armes et des munitions vitales jusqu'à la frontière. Nous devons naviguer entre les courants et nous vous serions reconnaissants de nous escorter. Ce matériel doit absolument arriver à destination et les pirates sont partout ces jours-ci. Je comprends. Nous allons vous escorter pendant votre transit. Ok. Salut à tous, salut YouTube. Bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle mission sur Appel au Trésor, la bataille de potions. Déjà ? Mais on n'a même pas le temps d'arriver. C'est un scandale. Moteur en puissance maximum. Putain, ils sont énormes ces navires. Bon, ils ont des lanceurs de feu acturiens, j'ai l'impression. Et nous avons affaire à qui ? Au capitaine Gaunt. Des pirates sont en vue. Aucun doute. Ils vont essayer de nous éloigner des vaisseaux marchands acturiens. C'est exactement ce que je pensais. Canonnier, préparez-vous à attaquer. Timonier, ne vous éloignez pas des marchands. Oh, on va se faire ce navire-là. Il est nouveau celui-là. C'est une carac, je crois. Bien joué. Le premier est tombé, là c'est cool. Par contre la carac a l'air beaucoup beaucoup plus costaud. Bon, le navire. On nous tire dessus. Il faut vite dégager ça. La carac elle est ultra dangereuse. Bien joué. Vous serez en sécurité dès que vous atteindrez le courant de l'Ethereum. Mon escadron s'occupera des pirates. Première menace écartée. Un vaisseau d'attaque, navire d'attaque rapide et un vaisseau et une carac. C'est le navire qu'on a vu là. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé carac d'ailleurs. Bon, toi, la tête brûlée, tu reviens là. Je t'ai dit de revenir là, fais pas chier. C'est quoi ça? C'est une barque ça. Alors le conseil que je te donne, évite de te battre trop près des bateaux. J'ai réussi à habiter mon navire avec un navire marchand. Bon, on va s'éloigner un petit peu alors. Est-ce qu'il est pas seul? Ne me dis pas qu'il y a qu'une barque qui arrive, j'ai des doutes là. On a détruit deux navires, c'est bien. Ah, le torpilleur qui est en train de le shooter, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, je pense qu'on est pas mal momon au niveau de la portée. Oh. La tire au plasma dessus. Ne me dis pas qu'il n'y a qu'un seul navire, je te crois pas. Bon, toi... Oh. On va essayer d'amoucher ses voiles un peu, tiens. Première voile d'abattue. Deuxième voile, allez. Bien joué. Oh, là il fera moins de malin. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a un autre, j'ai repéré. C'est pas mal. Ouh, il y a du peuple là. Ouais, c'est bien. Donc on a quoi? Ouh, deux cotres d'assaut et une galère en plus. Aïe, aïe, aïe. C'est bien. Excellent travail, messieurs.
Un autre navire qui vient de tomber. Eh, c'est marrant le nom du navire là. Scrop. Ça me fait penser à Scrop. Oui, une ville habitée que tu peux te réparer, je crois. Mais il aborde pas un côtre. Mais il est fou, lui. Oh la vache. Ils sont en train de manger, mais salement, là, les pirates, c'est bien. Bon, c'est pas mal. On s'en sort pas mal. Là, les pirates ne font pas le poids, là, pour l'instant, face à notre escadron. Deux, une bonne chose. Mais récupère-moi ça, toi. Voilà. Ouais. Excellent travail. Qu'est-ce qu'on a encore? Une autre barque, ici. Ok. Oh, ils vont être chiants. Je vais ordonner à ma... Vitesse de croisière, capitaine. C'est bien, il y a un tir qui a touché. Bien joué, c'est pas mal. C'est bien, mon escadron, on est très efficace, ça c'est cool, ça fait plaisir sur cette mission. Oh la vache! Je vais tenter de faire gaffe, mais là ça va être chaud. Ah, il y a une des barques qui a mangé. Ça c'est une excellente news. Et je vais ordonner à mon sloop de guerre de viser les voiles de la barque. Je vais peut-être ordonner à mon petit torpilleur d'aller se réparer. Oups. Oups. J'ai eu chaud là. Nous changeons de cap. Bon, j'ai envie de me vanter, mais pour une fois, là, cette mission se passe bien. Pour l'instant. Je sais ce que tu vas me dire, Momon. Pour l'instant. Je vous entends, monsieur Momon. Hein. Je suis pas fou. Hein. Donc là, on a détruit combien de navires, je me demande, tu vois. En train de se détruire tout seul, lui. Alors pourquoi j'arrive pas à le viser? Je ne vais pas te demander de le son. Regarde, vous l'attendez quand même, hein. Ne me dis pas que t'entends pas le son du jeu, m'y t'en dire. Il a pas aimé ça. Momon, t'entends pas le son de la musique? Ah bah voilà. Bah pourtant, moi je l'entends le son, hein. Je sais pas d'où ça vient, mais... C'est bizarre ça, normalement le son, je le détecte. Ah, tu m'as fait peur, Momon, Mitrandir. Hey, toi, tu veux vraiment me faire des crises cardiaques, hein. Momon, est-ce que tu pourrais avoir l'œil sur Mitrandir, please? Le mec chiant. Bon,
Pour le moment, ça va, on s'en sort plutôt bien. J'ordonne aussi au sloop d'aller se faire réparer, tant qu'à faire. Donc là, ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, ils sont 4. Eh, elle est quand même cool, la bande-son du jeu. Hein. On a des trucs qu'on baigne navire depuis le début. Faut pas oublier, il a 90 ans de tir. Eh, 7 navires de coulée. Hein. Une carac, 2 cotres d'assaut, un navire d'attaque rapide. Une goélette et je dirais 3 cotres d'assaut. A mon avis, on va avoir une menace de fin, je suis quasiment sûr. Si mes souvenirs sont exacts, il y a une menace à la fin. Qu'est-ce qu'il a bouffé le premier navire? Bon, ça va encore, hein. C'est trop calme pour une fin de mission, j'ai des doutes. Hier, Mitrandir, je sais pas si tu te souviens, il y avait des dragons. Et les Orcus Galacticus, qui étaient des animaux qu'on a vus dans les premières missions. Bah, les dragons, tu peux te faire attaquer par des dragons de l'espace. Ils sont un... Le problème, c'est que dans le jeu, ils les ont rendus increvables. Oublions pas les Orcus Galacticus, Momon, hein, qui sont des animaux pacifiques. Elle est sympa la planète là-bas. Et les poissons lune, on va pas les oublier, Momon, c'est vrai. Toujours rien, c'est bizarre ça. Tout à fait. Ah, je ne fais pas de spoil, monsieur Mitrandir. Aucun spoil sur cette mission. Capitaine! Oh putain! Des cuirassés essaient d'intercepter la flotte marchande! Des cuirassés? Ils aident les pirates? Ils ont sûrement l'intention de détruire la flotte de ravitaillement. Il faut les arrêter. Ok. On a quoi? Un contre-torpilleur. Oh putain, Dragnout. Ouh. Allez. Il faut essayer de l'abattre. Hein. À vos ordres, capitaine. Changement de cap. Amouche-le. Allez. Là, ils ont l'air bien bouffés par contre, les cuirassés, là, c'est curieux, hein. Par contre, lui, oh, il a l'air bien vénère, le gros sac, là-bas. On va essayer de se focus sur les deux, les cuirassés, les uns, un dessus.
ça devient la partie de la mission se gâte là, honnêtement. Le torpille, on va pas survivre si je le laisse là. Et en plus, il se prend. Mais qu'est-ce que vous foutez, vous? Oh la vache, ça ricoche le truc! Non, c'est pas un croiseur, mais c'est un torpilleur aussi, regarde. Oh la vache, là, il est en train de souffrir, mais bien. Les voiles ont été endommagées. Yes, on l'a eu. On est en train de l'amocher, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout en vrai. On a perdu notre torpilleur, bon tant pis. À un moment, il fallait que ça arrive. Hein. Moment, c'est pas un contre-torpilleur, ça c'est un dragon. Celui qu'on a vu, c'était un contre-torpilleur. Oh oh. Ce cuirassé va entrer en collision avec le vaisseau marchand. Tout le monde à couvert. Capitaine, le cuirassé est toujours intact. Mais il a cessé de tirer. L'explosion a dû les mettre complètement KO. C'est l'occasion rêvée pour en capturer un intact. Accostez-le et préparez-vous à l'aborder. On va pas traîner. Vite. Putain. Bah tu crois que je fais quoi, Momon? Je me demande si ça marche si je le donne l'un de mes navires de l'aborder. Je vais le faire aussi quand même. On va sécuriser. Nous avons réussi. Ils se rendent. Par Neptune, ils... Des Prociens. Oh. Le cuirassé était rempli de Prociens et de leurs robots. Ils se remettaient à peine de l'explosion quand nous sommes entrés. Et bien qu'assommés, ils ont livré un combat des plus acharnés. Des Prociens. Oh, des sales enculés de traîtres. Le cuirassé était endommagé et plein de fumée. Nous avons manqué de passer par-dessus bord à deux reprises avant que je ne parvienne enfin à coincer et désarmer le capitaine Prociens. Mais à présent que nous connaissons enfin le secret des cuirassés, il est peut-être trop tard. En clair, les Prociens n'ont jamais eu l'intention de faire la paix. Ils ont utilisé leurs cuirassés pour attirer le gros de nos navires vers la frontière, tandis que notre reine s'apprête à signer un traité de paix devant les canons de toute la flotte diplomatique prussienne. Et là, quelque part... Il y a John Silver et sa flotte de pirates. Je suis maintenant bien forcé d'admettre qu'il collabore avec les Prociens. Si jamais nous le recroisons, je devrais mettre un terme à tout cela. Peu importe ce qu'il a autrefois représenté pour moi. À présent, c'est lui qui devra faire attention. Voilà, bon, on connaît enfin maintenant qui contrôle les cuirassés. Maintenant, on sait que c'est les Prociens. Et il semblerait que John Silver, malheureusement, bah, il soit complice des Prociens avec sa flotte de pirates et tout ça. Donc voilà, donc bah c'était la fin de cette mission 10, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine les amis, des bisous YouTube, ciao ciao. On va voir un peu ce qui nous attend pour la fin de cette campagne.